Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. We worship you. Jesus. Okemo is your name. The spirit of the spirit. You are the spirit of the most high God. Owe gonye dikagi. Okemo ne yokaja. Ese owe gonye dikagi. Akwagi kuro akuna ba okechim. Oga mezo na ba ozo. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout
tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Y'a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y'a que des gens que tu connais. Alors, messieurs, dames, sans plus attendre, une seconde de plus, nous allons accueillir le cortège qui accompagne Keisha, composé de ses amis, de ses parents et évidemment de la princesse de la soirée. Sur la musique de Mike Talabai, nous vous prions de pouvoir accompagner le cortège avec des applaudissements soutenus. Des cris de joie parce que 18 ans c'est un témoignage. 18 ans c'est énorme. 18 ans c'est un miracle parce que la semaine passée je voyais M. Legault aller se commémorer sur le lieu du décès d'un jeune de 16 ans. Au travail, j'ai lu le journal avec le cœur à l'envers. Donc aujourd'hui nous sommes conviés à célébrer une vie de 18 ans. Que le nom du Seigneur soit béni et nous allons avoir besoin de vous. Cette acclamation pour pouvoir manifester cette joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes prêts? DJ! Yeah. Tu mérites, tu vaux tellement pour nous, que le monde est sans rang, le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, autant ça nos beaux larmes. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Oumela, love you so much, love you so much. Namaste, tu m'en sens, la vie solélo, kakayo na yo. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à mon ami. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec de joie. C'est hey, dis-le, dis-moi et dis-moi. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur de tout cœur. Joyeux anniversaire en ce jour si spécial. C'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Où me l'âme?
conduis son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur de rocher. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts, sur ses plumes. Ma vie est parée à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts, sur ses plumes. Il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier yeah, alléluia yeah. Ma vie est parée à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Ma vie est parée à l'aigle qui est belle sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Comment étaient les parents? Papa, maman, ça ne fait que commencer. Hein? Moi, je me dis, effectivement, c'était la reine de la soirée, mais c'est aussi un moment pour vous honorer, vous féliciter, vous célébrer aussi. Que Dieu vous bénisse et félicitations pour ce travail remarquable. Avant d'aller plus loin, nous allons inviter le pasteur Christian Chikoulou qui va faire la prière introductive, recommencer tout ce qui sera fait, dit, consommé en ce lieu, entre les mains du Seigneur. On va prendre la position. Gloire au Seigneur, nous allons juste baisser nos visages pour prier. Ceux qui n'ont pas encore prié, vous allez voir ce qu'ils sont à côté de vous, comment est-ce qu'ils font, et vous allez vous communier avec eux dans leur prière. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu as créé cette journée. Voici ce jour que tu as créé. Il est pour nous, Seigneur, Dieu de gloire, un sujet de joie. Nous voulons t'honorer pour l'année de plus que tu as accordée à notre fille, Keisha. Merci de ce que, Seigneur, Dieu de gloire, plusieurs n'ont pas pu atteindre cet âge. Oh, que je me rappelle quel âge tu es, Dieu, que de vivre l'adolescence. Plusieurs sont passés par le suicide, plusieurs sont passés par des choses négatives. Combien, Seigneur, plus forte raison dans ce temps de pandémie où plusieurs ne sont pas à l'aise, plusieurs sont confinés. Et dans ce confinement, plusieurs perdent espoir. Mais toi, tu permets que la joie soit aujourd'hui. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Nous remercions, Seigneur, Dieu de gloire, pour la santé, pour la joie, pour la paix. Puis, Seigneur, que cette célébration que nous faisons en ce lieu soit entendue du ciel et que, Seigneur, plusieurs années s'en suivent. Dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Keisha, tu vis quoi, moi? Elle est réellement née le 31 octobre de l'année 2003. Et vraiment, nous comprenons que, avec la situation post-pandémie, les dates se déplacent. C'est un casse-tête pour ceux qui organisent quoi que ce soit.
Cette fille qui a 18 ans aujourd'hui a vu le jour à Montréal. Son père et sa mère étaient à côté d'elle. Mais mieux que ça, il y avait aussi le Tout-Puissant. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur, le Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de Dieu qui a gardé ta vie. De la maternité à aujourd'hui, toi la fille aux cheveux dorés. Elle m'a dit que Yaya, je ne suis pas compliquée. Mes goûts culinaires sont très adaptés à tout ce qui se mange. Je lui disais, à 18 ans. 18 ans, c'est en même temps jeune. Les parents sont pas prêts à donner un peu d'espace. 18 ans, la société dit, voilà, elle est majeure. Maintenant, elle peut voter. On peut compter sur elle. On peut partir avec cette génération. 18 ans, c'est beaucoup en même temps. Sa couleur préférée en passant, c'est... Voulez-vous deviner? Non, c'est pas un bon choix. Ça, c'est la table familiale. Sûrement, quelqu'un connaît. Couleur préférée? Rose. Mauve. Non, c'est pas la bonne réponse. Je vous ai dit que la fille aux cheveux dorés n'est pas compliquée, sincèrement. Elle n'est pas compliquée. La couleur préférée? Dorée. Non. La couleur préférée des clichés, c'est la couleur noire. N'est-ce pas? Oui. Elle est aussi, elle est. Lorsqu'elle est arrivée dans le foyer, elle a ouvert la porte à 5 autres qui viennent après elle. Ils sont dans la salle, est-ce qu'on peut les applaudir? Je lui ai dit que ça, aimes-tu voyager? Elle m'a dit non, pas vraiment. Mes parents ne sont pas trop aventureux. Bon, voilà, on vit à camper. On est vraiment, voilà. Je n'ai pas encore visité beaucoup de choses. Mais dans toute la vie, ma chérie, devant toi, toute la vie. Et aujourd'hui, c'est une étudiante au cégep de Grand-Bain, en éducation à la France, si j'ai bonne mémoire. Elle a peut-être le temps de faire autre chose, mais pour le moment, c'est vers ça qu'elle se décide. Et je vais vous demander de pouvoir l'acclamer. Pour que cet enfant qui est l'autre, qui fait l'autre joie, puisse passer une soirée agréable, elle a besoin de notre participation. Est-ce qu'on peut dire le mot participation ensemble? 1, 2, 3. Voilà. Quand il faudra manger, mangeons. Quand il faudra danser, dansons. Et quand il faudra jouer, jouons ensemble. Oui, parce que Kesha est à la frontière. 18 ans, c'est... on peut encore jouer, on peut ne pas jouer. En fait, c'est l'âge où on apprend le choix de ses responsabilités. Vu que moi, ma connaissance d'elle est limitée à ce que j'ai appris d'elle il n'y a pas longtemps, je vais inviter la complice de Dieu dans la venue de Kesha dans le monde des hommes. C'est sa maman, Natasha Okasa, pour le premier discours que je veux vous prier d'applaudir. Wow! Maman, ne restez pas là-bas. Venez ici, on veut vous voir aussi, non? En tout cas, merci. Bonjour à tous. Bonsoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'avais préparé quelque chose pour dire à Kesha aujourd'hui, pour ce jour, mais avec le stress, vous comprenez que
Je vais aller en improvisant. D'abord, je voudrais dire à tous, si vous êtes parmi nous, parce que la liste était assez limitée, c'est que nous tenons vraiment à vous. D'accord. Ma chère Kaïcha. Kaïcha, c'est la première, au fait. C'est pareil que je suis devenue maman pour la première fois. Donc, quand Kaïcha est venue, j'étais assez jeune. Mais c'est par elle que j'ai appris à arrêter tout ce que la jeunesse peut amener. C'est Kaïcha qui a permis que je puisse être plus responsable. C'est Kaïcha qui a fait de moi, en fait, je peux dire, la femme responsable que je suis aujourd'hui. C'est par elle, en fait. Si je tenais à faire absolument ce venir dans ces mots aujourd'hui pour célébrer le 18 ans avec Kaïcha, c'est parce que Kaïcha le mérite vraiment. Non seulement elle est la première, mais c'est la deuxième maman en fait. Je sais que je peux aller et faire mes choses quand Kaïcha est à la maison. Je peux dire, il peut des fois même faire mieux que papa. Kaïcha, elle est comme ma route secours en fait. Elle est là, je sais que tout va bien aller. Et aussi, elle a réussi aussi cette année, elle a gradué. Fait que c'est une autre occasion aussi pour célébrer. Et je remercie Dieu pour la fille qu'elle est devenue et pour la femme qu'elle devient. C'est une grâce à avoir une fille quand même. Et je bénis les Seigneurs en ces jours et je vous dis tous bonne soirée. Vraiment, je suis conquis. Merci, merci. Se traduira en français par que puis-je te donner mon Dieu. J'imagine. Oui. Voilà, c'est le cri de reconnaissance d'une mère en pareille circonstance. Alors, messieurs, vous avez dans vos flûtes un peu de champagne non alcoolisé. Nous allons faire un toast avant de laisser la place au service de table pour pouvoir commencer. Kaïcha, peux-tu te lever avec ta flûte dans la main, juste après la photo? Votre attention, monsieur Dan. On va faire ça d'une façon spéciale. Avec votre participation, vous l'avez promis, hein? Super. À chaque fois que je lèverai ma flûte, nous allons dire ensemble, Kaïcha brille encore. On essaie? Aujourd'hui, tu as 18 ans. Non, il faut que je lève ma flûte. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu fais la fierté de papa, de maman.
de tes frères et sœurs et de tous ceux de ta famille qui sont là. Et nous sommes venus accompagner tes rêves pour que Keisha brille encore. Il y avait sur ta vie des prières avant que tu ne saches marcher ni parler. Une destinée que Dieu avait vue avant que le regard de papa se pose sur maman. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur, afin que cette société a besoin des femmes qui se distinguent. Maman n'a pas su quoi donner à Dieu, mais nous lui donnons nos prières et notre conviction que tu dois aller plus loin encore. Même quand nous deviendrons vieux, que tu nous regarderas, Keisha. Souviens-toi que tu portes en toi les espoirs d'une nation lointaine. On l'appelle Coco, elle compte aussi sur ta réussite. Sois un modèle pour Christina. Sois un modèle pour mes enfants que tu ne connaîtras peut-être pas aujourd'hui. Mais parce que nous comptons sur toi, va de l'avant. Merci champion, merci champion. Bien sûr. Prendre un autre discours de la part de la tante Keisha. Je vais vous prier d'applaudir tante Mickey. She's all smile. Est-ce qu'on peut l'encourager encore? Merci à tous. Je vais commencer par remercier tous pour votre présence. Et aussi, je veux prendre ce temps pour pouvoir dire à ma belle-nièce qui est en avant, tu sais, hein, quand tu fais beaucoup, ça, je vais te le dire plusieurs fois. Mais Keisha, je dirais que, bon, moi je dis souvent, j'en ai plusieurs de mes petits-neveux et nièces qui sont mes premières, mais elle, je la considère aussi comme ma première. J'ai eu à vivre beaucoup de moments adorables avec elle et des moments de pleurs aussi. Je me rappelle, elle, c'était comme on dit chez nous à Kinshasa, ma toumoni. C'est Keisha dès son jeune âge, elle aimait ça. Elle aimait ça quand elle faisait droit, quand j'ai des photos chez nous, qu'elle faisait toutes sortes d'affaires. Mais elle nous a fait toutes sortes de coups aussi. Je me rappelle quand j'avais mes cours de décoration intérieure, mon prof m'a jamais cru. Ils ont cru que c'est une raison que j'avais inventée parce que je n'étais pas prête à mon cours. Pendant que sans décoration intérieure, on fait des plans, puis après il faut faire un rendu avec couleurs. J'ai terminé de faire tout mon plan. Keisha, pendant que je me suis déplacée, elle est venue là, elle a bordé mon plan. il fallait que je recommence. Mais fatiguée, je n'ai pas voulu recommencer. C'est fait que j'ai dit à mon prof, et on m'a jamais écrit, on a écrit que c'était une excuse parce que malheureusement, je n'étais pas tout à fait élève modèle. Un autre coup que je me rappelle qu'elle a fait, puis celle-là j'avais dit, c'est que sa grand-mère dormait. Elle a décidé qu'elle allait pleurer sa grand-mère. C'est fait que elle allait chercher de la vaseline avec de l'eau. Pendant que sa grand-mère dort, elle a pleuré maman. Elle s'en vient au salon. J'entends ma maman qui se réveille, moi je parle à rien. Que veux-tu que je dise? C'est vraiment ça. Mais c'est une petite fille que elle grandissait, tout le monde l'adorait. Partout où elles sont passées, on nous a arrêté. Je sais que dans ce temps-là, ses parents venaient encore l'adorer, parce que là, ils ont arrêté. Et dans toutes les maisons, ils ont fait ça pendant 2 ans. L'année d'après, ils ont dit, non, on ne fait plus adorer. Ils commencent à... Elle dit, mais à chaque maison qu'on s'arrête, c'est des photos, puis on peut plus sortir de la maison parce que tellement qu'il y a tout qui est autre.
La même chose que elle aussi, dans les autobus, c'est la même chose. Puis, le métro aussi, c'est vrai. Puis, c'était madame gentille avec tout le monde. Elle avait parlé avec les chauffeurs d'autobus, les saluer. Et, bien souvent, elle aimait ça de chanter sauf que dans les autobus. Donc, comme que je dirais, j'aurais beaucoup à raconter sur Kaïcha, mais je ne veux pas juste raconter ses petits coups et tout ce qu'elle avait. Mais je dirais que c'est une fille géniale. Comme que je dis souvent à sa maman, si on a de ses enfants, on aime tous nos enfants. Ils sont tous particuliers, chacun avec ses qualités, ses défauts, comme nous en avons tous. Mais Kaïcha, c'est une petite fille que, comme je dis à sa maman, quand elle te demande de quoi, tu ne peux pas dire non. C'est vraiment difficile de pouvoir lui dire non, parce que c'est une fille sérieuse. Et sa sérénité, d'ailleurs, ça se remarque depuis qu'elle était jeune. Comme je le dis, des fois, on voit les prédispositions des gens déjà de jeune âge, quoi. Je me rappelle que c'était une petite fille qui aimait beaucoup faire la vaisselle. Elle venait nous aider à faire la vaisselle. Et aujourd'hui, c'est une fille qu'on n'a pas besoin de lui demander de se lever pour aller faire le ménage de la maison. De elle-même, elle sait qu'après ses études, après ce qu'elle peut faire, elle va prendre du temps pour aller faire le ménage et aider sa maman. C'est une petite fille qui m'avait surprise quand elle était jeune, que sa maman était malade, puis qu'elle s'inquiétait à chercher de quoi pour nourrir sa maman. Malheureusement, bon, elle a grandi, on s'est même demandé comment elle avait tout ce poids santé-là parce qu'elle n'avait pas mangé à part des yogourts. C'est sûr que quand elle a cherché à manger, c'est un yogourt finin. Quand elle a cherché à nourrir sa maman, elle allait chercher aussi du yogourt plus du lait. C'est bon ça. Tout ce que je veux dire, c'est si je commence, j'arrêterai pas. Ça a l'air que autant que j'ai la plume facile, autant que je peux parler aussi facilement, je pourrais vous tenir ici longtemps. Donc, c'est pas ce que je veux faire. La seule chose que je dirais, ma petite Kaïcha, on t'aime beaucoup. Nous sommes très fiers de toi. Moi surtout. Je suis heureuse de la femme que tu es devenue aujourd'hui. Et que tes 18 ans, en tout cas, que le Seigneur m'entende et que les 18 ans soient juste un de vous de plusieurs choses que le Seigneur a prévues pour toi. Que tu puisses monter dans la destinée de ta vie, qu'il puisse te conduire dans toutes choses, que sa main soit toujours sur toi et que tout le plan de l'ennemi qui a pu mettre, qui a pu planifier, aujourd'hui nous le décrétons et nous l'annulons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme on dit toujours, tu seras la tête et non la queue, tu es la tête et non la queue. Tu vas réussir dans ta vie, ça je te le dis. Que tu y crois ou que tu y crois pas, tu vas réussir. Tu as un grand chemin de destinée qui t'attend. Donc, ma chérie, on va arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. C'est des bénédictions en cascade et tout. Puis, c'est pas votre vie encore. Soyez fréquents. Soyez fréquents. Mais vous avez des connexions, c'est pas juste dans les enfants d'Atacha. C'est même dans les projets, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Tu vois, hein, maman des 6 enfants, elle a une peur. Soyez fréquents, ça quand même ça. Donc, on te souhaite le bonheur. Soyez fréquents, ma chérie. Ça fait longtemps que je suis passé par là. La quarantaine dans l'âme, bien assise, tranquille. Et quand il m'arrive de passer du temps avec mon père, je me donne à cet exercice que je veux vous prier de faire avec moi. Je me dis toujours, qu'est-ce que mon père aurait pu me dire ou me donner comme conseil? Bon, peut-être qu'aujourd'hui, à 40 ans, j'ai une autre trajectoire pour que je sois mieux outillé pour être la personne que mon père voudrait que je sois. Parce qu'il y a toujours une facette que nos parents, en tout cas congolais surtout, ou africains, ah, je voudrais que tu sois ministre, je voudrais que tu sois ceci, je voudrais. Ben, moi, à l'âge que je suis responsable aussi, époux et père, je pense que j'ai le droit à ma réponse. Je dis, papa, qu'as-tu fait pour que je sois, tu sais, ce que tu dis, alors je veux traîner mon micro vers quelqu'un d'autre qui a déjà eu 18 ans.
qui voudrait donner à Keisha le conseil qu'il aurait aimé avoir reçu pour outiller Keisha beaucoup mieux peut-être dans la vie. Quelqu'un a besoin de micro, sinon le micro a besoin de quelqu'un, le micro viendra à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut donner à Keisha comme conseil pour les 18 ans? Si vous avez 18 ans et moins, merci. On veut ceux qui ont plus. Keisha, moi je vais être le premier, sérieux. 18 ans, je ne savais pas faire le ménage, je ne savais pas cuisiner, je ne savais pas parler aux femmes. Mais je vous le dis, 18 ans, je me dis que mes parents avaient la responsabilité de m'apprendre ces choses. Parce qu'ils savaient déjà que je devais quitter le pays, aller à l'étranger. Donc quand je suis arrivé au Canada, pour commencer, prendre mon courage en main, aller dans la cuisine, ça m'a mis 3 mois à manger dehors, des chips, du pain, jusqu'à me blesser tout le long des lèvres. Tellement je mangeais des chips matin, midi, soir. Donc, à 18 ans, on est assez grand pour apprendre la cuisine, apprendre à gérer sa vie avec toutes les responsabilités. Tel est mon conseil. Elle le fait déjà. Elle a des frères et sœurs, j'ai entendu tant de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait compléter sur cette liste de ce qu'on peut apprendre à 18 ans? Maman, vous voulez parler? Ah, vous n'avez pas caché. Ça, c'est juste franchir les deux au micro. Que je vienne là? Ah, bien sûr. À 18 ans, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, comme outil? Voilà. Vous dites votre nom et après vous savez. Bonsoir à tout le monde. Mon nom est Maman Loïla. Qui sait-ce que tout le monde est là? Richard, regarde. Nous autres, nous sommes de Gabi, on vient de Grimain. On a été très très contents de l'invitation de Maman Natacha. Mais ce soir, je voudrais dire quelque chose de particulier sur Keisha. Je pense que la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai, comme disait Kéliba, j'ai capoté sur sa beauté. Je dis, waouh, elle est belle, hein? Est-ce qu'on le constate qu'elle est belle? Ouais, elle est très très belle. Moi, je suis comme, mon Dieu, c'est la fille de qui? Oh non, c'est la fille de Natacha, je suis très très contente. Et ce que j'aime le plus chez elle, c'est sa personnalité. Je la trouve, pour son âge, je la trouve assez mature pour son âge. Je veux que tu restes la bonne personne que tu es. Ne change surtout pas. 18 ans, c'est un bel âge, mais vas-y, mollo. Prends les choses une seule fois à la fois. Ne prends pas les choses comme les gens d'ici. N'oublie pas que nous venons de très loin. Nous sommes chez nous, oui, mais nous sommes entre parenthèses chez ailleurs. Donc, sois toujours consciente. Je pense que ta maman, tes frères et sœurs compte vraiment sur toi, tu es la première de la famille. Reste toi, reste constante. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup, Maman Noéla. C'est Maman Noéla. Merci. Je retiens, à 18 ans, on peut avoir la constance. Keisha, souviens-toi de cela, constance. À 18 ans, tu apprendras aussi les choses de ses ventes. Les parents ont toujours raison, c'est faux, mais c'est une nécessité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter? Quel? So, the light is on you. All right. There you go. Ok, donc Keisha, tu es 18 ans, moi je te valorise ton temps. Ton temps, c'est comme l'argent. Alors dépense-le précieusement, mais avec pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut applaudir? Keisha, à 18 ans, tu dois déjà être en mesure de capitaliser ton temps. Ne les dépense pas avec n'importe qui.
because time is money. Alors je vois que les plats sont les plats précédents arrivent sur les tables. Je vais vous laisser là pour manger. Oh, vous voulez parler? Ah oui, ok. Avant de manger, vous me ramenez à ma vie, bien sûr. Donc, Taïcha, je suis content de voir que tu as grandi. Et puis, c'est très important de savoir que tu rentres dans le monde adulte. C'est pour ça qu'il y a la séparation entre 18 ans et plus et 18 ans et moins. Ce que je te conseille, c'est vraiment tu es responsable de tes actions et tu es responsable vraiment de tout ce que tu fais. Tu ne vas pas dire « Ah, c'est à cause de maman, c'est à cause de papa. » Donc, il faut vraiment prendre tes responsabilités au sérieux et puis aller de l'avant et continuer à prospérer. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être là pour ta fête et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Kesha, 18 ans, la responsabilité civile, elle est totale. Si tu fais un faux coup, on ne viendra plus via papa directement vers maman. Non, tu vas encaisser la responsabilité totale. Merci beaucoup pour ce conseil. Bon appétit à ceux qui mangent déjà et soyez patients à ceux qui attendent. Vous avez passé un salut. Merci. Yeah, for all you've done, Lord, let me give.
me, I gotta stand and testify. Unaniheshimisha Yesu, this is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Thank you.
Richard, tu rêves avec moi à côté du gâteau. Nous allons chanter. Nous allons nous chanter. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Elle va souffler les bougies de ses 18 ans. Hello. Thank you.
Kesha va approcher au centre de la scène, de la piste. Papa Cameroun, nous allons tous diriger nos bras ou nos mains vers Kesha. Je vais remettre le micro, pasteur, il va prier. Je voudrais que l'on dise des belles paroles, des paroles d'encouragement, de bénédiction sur cette jeune vie d'adulte qui commence à peine. Pasteur Christian va venir pour faire la prière. On a 4 minutes, le temps que la machine se réchauffe. Papa, t'as vu? On va élever les mains là où nous sommes. J'aimerais que papa et maman puissent toucher Kesha, s'il vous plaît. Le délire. Maman est cachée. Ah, ok, pas de problème, papa. Papa, est-ce que tu peux mettre ta main sur Kesha? C'est le papa qui bénit. Il y a une bénédiction qu'un pasteur ne peut pas donner, tu peux venir de vous. Et nous tous qui sommes dans la salle, nous sommes là parce que nous avons à cœur Kesha. J'aimerais qu'il y ait des paroles qui viennent du plus profond de notre cœur pour bénir sa vie. Alléluia. On a beaucoup de personnes qui parlent en mal. La vie est parsemée des personnes qui parlent en mal. Je pense que l'occasion est bien et bonne pour que nous puissions parler en bien. Avec la foi que vous avez, l'Éternel va faire quelque chose de grand. Tu demandes l'opportunité de travail, tu demandes la réussite dans les études, ça va se faire. Tu demandes un succès dans tout ce qu'elle entreprend, ça va se faire. Tu demandes la protection sur sa santé, ça va se faire. Alléluia. Et nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Dans nos pères, nous utilisons la foi en ce moment afin de bénir ta servante et notre fille Kesha. Seigneur, nous voulons déclarer au nom de Jésus-Christ qu'elle est fille du Très-Haut. Et que Seigneur Dieu le gloire, elle bénéficie de l'humilité, Seigneur Dieu le gloire céleste, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour cette 18e année, Seigneur Dieu le gloire, que nous accueillons avec joie. Oh Seigneur! Et challenge que rencontrent les filles de son âge. Seigneur Dieu le gloire, ne puisse pas, Seigneur, la mettre à terre dans le nom puissant de Jésus. Là où le monde aura du mal à rentrer, qu'elle puisse rentrer au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où le monde aura du mal à bousculer pour frayer un chemin, je déclare que tu frayeras un chemin miraculeux pour elle dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Seigneur, que la réussite suit Kesha désormais dans le nom puissant de Jésus. Plusieurs ont témoigné en ce lieu le cœur que Kesha a. Plusieurs ont témoigné le fait qu'elle est là pour aider, pas seulement pour les parents, mais elle aide les autres. Je déclare que ce cœur ne sera pas volé par le diable. Que les secousses, quand même, la maturité ne puisse pas enlever cette chose que l'Éternel a mis dans ton cœur. Que les secousses, quand même, les charges, le monde ne t'enlève pas l'amour que tu as pour les autres. Je prie pour que l'amour que tu as puisse créer dans ta vie des bénédictions. Je prie que le côté empathique que tu as puisse ouvrir les portes dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ton mariage futur. Je prie pour ta famille future. Je prie pour ta vie future dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois une bénédiction, pas seulement pour la communauté, mais pour les nations. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, pasteur. Papa, vous allez approcher vers ici à cause de problèmes de logistique. Je vous prie de les applaudir alors que papa va finir cette première dans cette chambre. Miguel, merci. DJ. Jésus qui a l'humilité, et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. Maman. C'était un homme très puissant. Il passait son temps à la prière. Maman. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus.
failli, bébé. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Et c'est lui que j'ai pour référence. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Maman a enlevé les chaussures. Maman est fatiguée. Elle est tellement cute. Les enveloppes cadeaux, les paquets cadeaux, les enveloppes de bénédiction, les cartes de vœux. Voici le moment de la remettre en même temps. Merci, maman. Jerusalem, Ikayalami.
kalema ikayalami ilonoloze uhambe nami sumangishilana dao yame aikolana buso wame aukolana ilonoloze Yeah.
Na lie, na lie, na binogio. Ah, this one na go be.
même 2 années, vous pouvez venir jouer, c'est un jeu très simple. Oui, venez, ce sera cool. Cool, mais qui? 2 amis. 2 amis, on a besoin de 2 autres. 2 autres, pouvons-nous les applaudir? Déterminer laquelle parle mieux. En fait, elle parle mieux. Français. Celle qui peut avancer sans voix. Celle qui peut se déplacer sans voix. Elle a un nom. Vous allez mettre ça sur le speaker, bien vu de vous deux. La personne non-voyante va se déplacer au son de la voix de l'autre que j'appelle guide. Oh, oh. C'est pour dire aux parents que Keisha a 18 ans, elle va faire des pas dans la vie qui pourraient paraître anodins ou risqués, sans dire aux parents que vous n'avez plus besoin de vous. Elle a quand même besoin de vous pousser, l'orienter dans beaucoup de choses de la vie. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Super. Alors, équipe de qui? Vous allez partir de là. Non, 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 venez. La scène de l'art, ça va se gagner, non? Come on! Je peux rajouter un $5 si tu veux. L'équipe, ma soeur, c'est quoi? Comment est-ce que vous appelez? Jennifer, Oliver, venez par ici. Non, il ne faudrait pas vous toucher. Souvenez-vous de la couleur verte. Voilà. Et vous, ça sera la rose. Vous n'allez les orienter simplement par le son de votre voix jusqu'à venir retirer les élastiques rose et verte de ces 2 récipients à la table d'honneur. Vous pouvez y aller. Non, ne la touche pas. La vie d'adulte pour un enfant qui devient adulte est semblable à ça. Ma soeur, vous voyez comment ça arrive. On peut pas nous accorder une peine d'amour. On ne peut pas les éviter. Il faut sortir le récipient uniquement les vertes. Il ne faut pas que les bleus sortent. Ok. Hello. Mais, ok. Maintenant, mettez-moi comme ça. Je ne vais pas toucher à rien. Elle met de côté seulement les verres. Les autres vont rester à la dernière. Ouais. Mais non, il faut pas. On va se mettre ici, c'est l'équipe Jennifer. À gauche, à gauche. Il y en a 3, elle va se ressentir. Une fois que les 3 sont morts, c'est plus vous gagnez la scène de l'art. À droite. Mais si, comme ça, oui. Avance. Comme ça? Oui, avance. Doucement, on a fini. Vous avez fini? Les 3 verts. Ben, nous avons une équipe gagnante. Nous avons une équipe gagnante. Ils l'ont fait avant vous, ils l'ont fait tout avant vous. Et voilà la table de la scène de la. Yabé qui c'est bon, hein? Oui. On fait le charme pour moi, là. On fait le charme pour moi, là. Dans un limite très, très importante de cet exercice que vous avez comprendre, c'est que Taïcha, dans la vie, il faut apprendre à faire confiance. Yes. Il faut apprendre à faire confiance aux gens tout autour parce que vous êtes un esprit sur votre seconde. Vous pouvez vous dire par an, quelques de ses amis, et dis-moi, tu vas gagner des cartes cadeaux. Ta 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 ta
applaudit, on applaudit, on applaudit. Merci, chanteur. Watch me, nay, nay. Now watch me, whip, whip. Watch me, nay, nay. Now watch me, whip. Watch me, watch me, oh. Watch me, watch me, oh. Watch me, watch me, oh. On applaudit le champion en veste rouge. Il est assis une fesse sur une chaise, l'autre sur une autre. On a mon ami, c'est pas cette vitesse de fil comme ça. Tu dis que vous avez du crime avec une vitesse comme ça. Est-ce qu'on peut l'applaudir? En finale, le tour de la chaise qui vaut 25 dollars. Les amis, je veux vous voir. Bah, champion, tu vas trop longtemps, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu vas trop longtemps? Tu veux. Non, 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 c'est pas, tu vas trop longtemps, tu vas trop longtemps. Là-bas, il faut danser autour de la chaise. Elle est d'accord avec moi. Ah ouais. Laisse, à 18 ans, on est plus moins des parents. Non. Bien sûr. À 18 ans, on dit bon, les forces et qu'on pense à tous et à n'importe quel moment. Oui ou non? Non. Bon. À 18 ans, on assume plus ses responsabilités. Oui ou non? À 18 ans, on peut gâcher ou améliorer son avenir avec un bon ou un mauvais choix. On n'a pas compris? T'es pas sûr? Je vais poser la question d'une autre façon. À 18 ans, une mauvaise ou une bonne décision peut gâcher ou améliorer la vie. L'avenir plutôt. Yeah, oui ou non? Yes. 18 ans, c'est assez pour rêver et poursuivre ses rêves. À 18 ans, on vit sa vie et puis c'est tout. Oui ou non? Si tu n'es pas content, virgule là-bas. Si tu n'es pas content, dis que j'ai pratiqué ça ensemble. Si tu n'es pas content,
rien que là-bas, maman a déjà fait sa part. Et nous sommes ici, les amis croient en moi. Nous voilà tous en train, petite sœur, qui viendront vers moi. Tu as tout ce qu'il faut plaire, mais ça lâche pas. Le temps de la vie passe vite. Tu fais gagner ce temps. Si tu fais les bons choix, si tu n'es pas content, virgule. Voilà, on va la refaire celle-là. Petite sœur, j'en ai 11. Mauvaise relation avec 1000 d'entre eux. Parce qu'on comprend difficilement les femmes. J'espère que ceux qui m'ont vu te comprendront mieux et t'es trop beau. Allez, plus loin. Et ceux qui ne sont pas contents, derrière là-bas. Si tu n'es pas content, derrière là-bas. Tu n'es pas content, bienvenue là-bas. Si tu n'es pas content, bienvenue là-bas. Si tu n'es pas content, bienvenue là-bas. Keisha, finale d'Italie. Keisha, nous sommes là pour toi. Keisha, tu peux faire nous honorer. Keisha, on va attendre ça. Keisha, je t'aime bien. Keisha, on sait ce que tu es. Keisha, tu étais la vie de maman, tu peux le ses frères et sœurs. Et toi, si tu n'es pas content, viens là. Et si tu n'es pas heureux, viens là. Si tu n'es pas avec nous ici, viens là. Si tu n'es pas joyeux, viens là. Un homme peut être ce qu'il faut, ce qui va venir te permettre de ne pas perdre l'équilibre dans ta vie. Tu as tout ce qu'il faut, mais ne le perds pas pour peu. Si ils sont pas contents, bienvenue là-bas, ceux qui ne sont pas avec nous, enseigne-le, bienvenue là-bas. I'm
Girl, I love the way you do me. Do me, do me, do me, do me, do me, do me. Boy, I love the way you do me. Do me, do me, do me, do me, do me. Now the way you dey do me, do me. You go wonder, you go wonder, my baby. Now the way you dey do me, do me. You go wonder, you go wonder, oh. So now she step into the clubhouse. Clubhouse. See how the boys them a drop down. Drop down. And all the ladies just they holla say, holla say. Them no no say what holla day. If you don't so you take a busy making all the fall. No the fall. This not the song for the dancer. The way you move your body, girl, it be like say, it be like say. You no no say what holla day. Now the way where you they do the things you do. Oh. It be like say you get plans for me and you. Oh. If I put it on you, you put it on me. What oh. A man can do, a woman can do. So if you do me, I do you. Man no go vest up on the dance floor. Man no go vest, touch me, I touch you. Man no go vest, you say. Man no go vest, I say. Man no go vest. If you do me, I do you. Man no go vest, step on the dance floor. Man no so go vest. So won't you give it to me? I go give it to you. So make you give it to me some more. Some more. You get to see the do me, do me. So make you give it to me, give it to me. You get to see the do me, do me. So make you give it to me some more. Oh. I say you get to see the do me. So make you give it to me. By the way you dey do me. Do me, do me, do me. So make you give it to me some more. Oh. So make you do me, do me, do me, do me, do me, do me, do me. Make you do me, do me, do me, do me, do me, do me, do me. Oh, check out the way she twist and whine it, whine it. Making me feel like I'm grinding, grinding. Baby girl, I know so you the I me, I me. After the show and the party for my room, room. Strictly for me and you, you. We got plenty things to do, do. So pull off the bump and move, make we groove. Hey. Boy, you know say talk is cheap. I know you were tempted to roll with me. Me, I know be the busybody where you sing. What a man can do, a woman can do so. If you do me, I do you. Man, no go vest up on the dance floor. Man, no go vest, touch me, I touch you. Man, no go vest, you say. Man, no go vest, I say. Man, no go vest. If you do me, I do you. Man, no go vest, step on the dance floor. Man, no go vest. So won't you give it to me? I go give it to you. So make you give it to me some more. Some more. You get to see that do me, do me. So make you give it to me, give it to me. You get to see that do me, do me. So make you give it to me some more. Oh. I say you get to see that do me, do me. So make you give it to me. By the way you dey do me. So make you do me, do me, do me, do me, baby. Do me, do me, they do me, they go. Make you do me, yeah. Do me, do me, oh, do me, yeah. Do me, do me, do me. Now the way you dey do me, do me. You go wonder, my baby. Now the way you dey do me, you go wonder, oh. From the way you dey do the things you do, oh. It be like say you get plans for me, yeah. And you. Me, I no be the busy body where you sing. What a man can do, a woman can do. If you do me, I do you. Man no go vest up on the dance floor. Man no go vest, touch me, I touch you. Man no go vest, no, you say. Man no go vest, no. I say. Man no go vest. If you do me, I do you. Man no go vest, step on the dance floor. Man no go vest, you give it to me. I go give it to you. So make you give it to me some more. You get to see that do me, do me. So make you give it to me, give it to me. You get to see that do me, do me. So make you give it to me some more. Oh. I say you get to see that do me. So make you do me, do me, do me, do me, do me, do me. Make you do me, do me, do me, do me, do me. Now the way you dey do me, do me. You go wonder, you go wonder, my baby. Now the way you dey do me, do me. You go wonder, you go wonder, oh. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, cause you know they empty.
Mr. Lady. Ah, the love that me get for you, not Jackie Chan. Some assault and stunt for you, you know I can. Fara baleko malole, omwele ake pepe. Jemba esoro kilo shele. If you see her eyes, eyes, yeah, you don't go believe she's looking at me. Ma vie est pareille à l'aigle rose qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plots ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle rose qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plots ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa privée. Voltige sur ses petits, les plats ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plats ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Des aigles, tout le monde en position. On y va, come on.
Esquece isso, não é